Bonjour, c'est le second numéro d'une série d'émissions consacrée à la région Guadeloupe. Initiative nous permettra d'explorer la Guadeloupe et vous la montrer sous un nouvel angle. Une redécouverte de la région à travers son économie, sa culture, sa vie sociale, les grands événements et sans oublier les lieux incontournables. Rien ne sera laissé au hasard. Chaque semaine, nous vous entraînerons au cœur de l'activité de la Guadeloupe. Au sommaire cette semaine, les énergies renouvelables, les aides aux étudiants, mais avant, commence par le parcours des entrepreneurs, les TPE. En Guadeloupe, 92% de nos structures sont de très petites entreprises. Elles s'organisent autour d'un, voire deux salariés, dont le dirigeant fondateur. Ce sont des managers multifonctions, mais s'ils ont une parfaite connaissance de leur métier de base, ils ne maîtrisent pas tous les rouages de l'entreprise. Ils ont du mal à concevoir des perspectives de développement à long terme, à anticiper et donc à convaincre leurs partenaires, notamment financiers. Afin de les soutenir et de leur donner des outils pour un meilleur management, la région Guadeloupe a mis en place un dispositif d'accompagnement. Elle en a confié son application à Guadeloupe Expansion. Pour le lancement de Parcours Gagnant TPE, une cinquantaine de chefs d'entreprise étaient présents. Ils ont rempli un test de positionnement, une sorte de diagnostic individualisé, un accompagnement sur mesure. On parle beaucoup de création d'entreprise, mais nous savons très bien que pour pouvoir aider les entreprises à pérenniser leur activité, à consolider des emplois, à s'engager dans une vraie dynamique de développement, il faut que nous puissions mettre à leur disposition à la fois du conseil, à la fois de l'accompagnement et aussi du suivi. Donc, nous en avons fait notre cheval de bataille, former des collaborateurs en interne pour qu'ils puissent être aptes à accompagner ces TPE. Le premier rendez-vous Guadeloupe Expansion, chef d'entreprise, s'est déroulé au parc paysager de Petit Canal. Il leur a permis d'évaluer les actions prioritaires à mettre en œuvre en fonction des besoins identifiés chez les TPE. Vous avez des clients qui pensent différemment, vous avez des types de clients. Autrefois artisan, aujourd'hui à la tête d'une SARL, Bistock Couf, charpentier menuisier, a tout de suite ressenti ses lacunes. Certains acquis se font sur le terrain, mais il a le sentiment de ne pas détenir toutes les clés essentielles pour progresser. Aussi, il a décidé de participer à ce dispositif. Une fois qu'on est clair sur la dimension client, qu'est-ce qui va se passer ? Aujourd'hui, un chef de petite entreprise a du mal, par exemple, avec les impôts. Est-ce qu'il fonctionne correctement ? Est-ce qu'il a la bonne méthode ? Quand on parle tout simplement de trésorerie, oui. Lui, il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas comment fonctionne. Donc, ces éléments-là, il a peut-être besoin qu'on l'aide à lui dire, tiens, voilà, la trésorerie, bon, on pourrait fonctionner comme ceci, comme cela. Il y a aussi cette possibilité, etc. Ce n'est pas un format global pour toutes les entreprises. J'ai vu la pochette, c'est directement lié à mon entreprise. Dans cet exercice, les formateurs mettent l'accent sur le passage de l'intuition vers le développement. Malheureusement, rester que sous l'intuition ne permet pas le développement. Donc, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'associé à cette intuition, qu'on ait quelque part des démarches un peu plus formelles pour mieux structurer. Et en structurant, permet de mieux développer l'entreprise. Donc, nous sommes des gens courageux, donc on se bat énormément, on se bat tous les jours. On a vraiment la tête dans le guidon, mais on n'a pas suffisamment de vision, de perception, on n'a pas suffisamment d'outils nous permettant effectivement d'amener et d'arriver à cette vision-là, de construire véritablement. Donc voilà, donc tout l'objectif, c'est de faire en sorte de leur donner justement ce recul. L'illustration concrète avec les premiers bénéficiaires de cette formation, c'est chez Thierry Génélin. Ce boucher qui a passé 16 ans dans la grande distribution s'est lancé, il y a 4 ans, en entreprise individuelle. Aujourd'hui, il entame une nouvelle démarche grâce à cette formation. On va voir les premiers jambons de Noël que je viens de sortir ce matin. Bien sûr. Je pense qu'à travers ce parcours, il y aura beaucoup d'écrits à faire. On va être motivé, on va nous inciter à mettre sur feuille nos idées, nos démarches. Et cela va nous servir de référent pour pouvoir avancer plus tard. Il y a une partie de management qui va me permettre de mieux collaborer avec mon personnel. Après les parcours TPE, passons maintenant aux énergies renouvelables. Nous allons voir les proportions des importations et l'enjeu qui est de développer des énergies propres avec comme objectif l'autonomie énergétique. La Guadeloupe importe 93% de ses ressources énergétiques. Pourtant,
localement, la production d'énergie renouvelable ne cesse de croître. Éolien, géothermie, photovoltaïque, biomasse et demain énergie marine. L'enjeu est de développer des énergies propres. Pour y parvenir, les principaux acteurs se sont fixés des objectifs ambitieux, c'est-à-dire accroître la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique pour atteindre 20% en 2020 contre 15,6% aujourd'hui, 50% en 2030 et une autonomie totale en 2050. La collectivité s'est dotée d'outils performants, comme le plan régional énergétique et le schéma régional climat air énergie. Mais pour gagner cette bataille, il faut mutualiser ses forces. Aussi, l'ADEME, la région Guadeloupe, la DEAL, Météo France et EDF Archipel Guadeloupe ont décidé ensemble de créer l'Observatoire régional de l'énergie et du climat. Et ce qu'on a besoin, c'est comment on atteint les objectifs qui sont fixés par la région. Et ces objectifs, comment on les pilote? Et pour les piloter, on a besoin d'indicateurs. Et ces indicateurs, on va les retrouver dans le tableau de bord qui va être réalisé par l'Observatoire régional de l'énergie et du climat. Mais ce laboratoire doit aller encore plus loin dans le domaine des économies d'énergie. Grâce à lui, nous connaîtrons enfin l'impact global des actions qui sont déjà lancées, comme la mise en place des chauffe-eau solaires, de climatiseurs plus performants et d'isolation renforcée. Ainsi, les initiatives qui ne seraient pas assez efficaces pourront être revues et celles qui font leurs preuves renforcées. Par ailleurs, ce laboratoire offrira l'opportunité de détenir des chiffres précis sur l'archipel qui feront force de loi dans l'Hexagone. En fait, il y a beaucoup de façons de compter. La provenance des données est assez variée, donc il faut bien qu'on s'entende sur les données, sur la façon de mesurer. Par exemple, la consommation d'un bâtiment en Guadeloupe comme en milieu tropical est bien entendu très différente de la métropole, parfois différente des autres DOM. Donc si on n'a pas des données adaptées à la Guadeloupe, on ne peut pas faire en matière d'énergie une politique adaptée aux enjeux de la Guadeloupe. Les chiffres clés de l'Observatoire sont déjà en ligne sur les sites des 5 partenaires fondateurs. Mais aujourd'hui, il faut impliquer stratégiquement les dirigeants d'entreprises et bien sûr la population. Grâce à l'Observatoire, on arrive à avoir des informations, donc pouvoir expliquer au grand public comme à l'entreprise que s'ils ne font pas le pari avec nous de maîtriser leur consommation d'électricité, on n'arrivera jamais à gagner, à atteindre nos objectifs d'autonomie énergétique. Cette autonomie, elle passe obligatoirement par une meilleure maîtrise de nos consommations d'électricité. On espère que le fait d'informer l'ensemble des collectivités, les entreprises, le grand public sur les enjeux énergétiques, que c'est un moyen de communication et de sensibiliser sur l'importance de consommer moins d'électricité. L'ADEME s'est aussi beaucoup investie dans ce projet. Elle cofinance les plans de maîtrise de l'énergie au sein des entreprises et des collectivités. Désormais, chaque partenaire est responsable de la mise en application d'un plan climat-énergie territorial. Chaque collectivité est elle-même responsable de cet objectif avec les plans climat-énergie territoriaux qui sont en train de se mettre en place. Le premier a été approuvé par la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre en Guadeloupe cette année. Le second est en cours de chantier à Cap Excellence et puis les autres vont suivre. Atteindre l'autonomie énergétique de la Guadeloupe d'ici 2050 est un programme certes ambitieux. Il repose sur une volonté commune, car l'énergie propre est plus que jamais le moteur de l'avenir. L'avenir, c'est aussi notre jeunesse. Nous allons voir comment sont réparties les aides aux étudiants et leur gestion. La réussite de nos jeunes est une priorité. Chaque année, plus de 3000 dossiers de bourses régionales sont traités en Guadeloupe. À cela s'ajoutent divers autres dispositifs, comme l'aide à la mobilité pour le Québec ou la métropole, les bourses sanitaires ou sociales, mais aussi pour les grandes études doctorales. Particulièrement prisée, la bourse régionale vise à soutenir les étudiants bacheliers ou détenteurs d'un diplôme équivalent pour réaliser leur parcours universitaire. Afin de faciliter les démarches administratives auprès des services régionaux, deux cyberbus sillonnent la Guadeloupe à la rencontre des étudiants. À bord, des animateurs dispensent la marche à suivre pour le montage des dossiers par Internet et la collecte des pièces à fournir. Ils viennent surtout pour tout ce qui est pièces à charger. Donc, ils ne savent pas vraiment comment se numériser et envoyer les documents, puisqu'il y a certains documents comme le livret de famille.
Il y a plusieurs pages qui doivent tenir sur un seul document. Ça va, vous vous en sortez? Oui, ça va. De toute façon, s'il y a un souci, tu me dis et je vais t'accompagner. D'accord. Parmi les bénéficiaires de la bourse régionale, Myrtille Gritte, cette étudiante en communication, en master à Lyon, utilise le cyberbus pour bénéficier d'un meilleur accompagnement et espère ainsi obtenir une bourse pour la deuxième année consécutive. Ma connexion Internet n'est pas très top chez moi, donc ça me permet d'avoir accès à Internet gratuitement et d'avoir les conseils des animateurs. Si j'ai des questions, des fois on a des problèmes pour mettre les pièces en ligne. Donc avec les animateurs, on peut plus facilement accéder et effectuer notre demande. Une fois les dossiers envoyés, le traitement se fait au service de l'enseignement et des aides aux étudiants de cette administration. Les dossiers sont tout de suite pris en charge par les agents, donc l'agent instructeur, qui vérifie donc la conformité des pièces. Hein, ces dossiers sont vérifiés par Mme Bouchou, le chef de service, et moi-même. Et ensuite, ils sont présentés en commission thématique. Hein, c'est la commission de l'enseignement et de la recherche et de l'innovation. Donc, les dossiers qui sont favorables sont présentés en commission permanente pour la décision finale. Et après, donc, les étudiants reçoivent une notification donc, de décision. Cette aide conditionne souvent la suite favorable des études. Les montants d'attribution varient de 1 700 à 4 000 euros, selon qu'il s'agisse d'une université, d'une école privée, d'études en Guadeloupe, dans l'Hexagone ou même à l'étranger. Élodie Urani a pu réaliser ses 3 années d'études à Bordeaux de psychomotricienne grâce à cette aide. En 2012, diplômée, elle revient en Guadeloupe. N'étant pas boursière, on n'a pas, donc les frais de scolarité sont à nos charges. Tout ça, c'est à la charge des parents. Et c'est vrai que cette aide m'a vraiment permis de subvenir aux besoins du quotidien. On peut plus se concentrer sur ses études et ne pas se dire « Ah mon Dieu, il faut que j'aille chercher un travail ». C'est une aide vraiment à gérer parce que voilà, on a tout d'un coup. Et donc du coup, si on n'est pas clair dans sa tête, se dire « Bon ben voilà, je rationne, je mets ça à côté », c'est vrai qu'elle ne peut pas être mise à profit. Aujourd'hui, Élodie a atteint son objectif. Elle travaille au Centre d'action médico-sociale de Basse-Terre. Votre magazine Initiative touche maintenant à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée sur Guadeloupe Première.